blood and death. I know what's coming. Salut les abonnés, c'est Arma Kamikaze en compagnie de Akravache. Et là nous sommes sur Battlefield 3 dans le nouveau pack qui est sorti Aftermath. Et puis bah là bah nous sommes dans la map qui s'appelle Palais d'Azadi et bah, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà fait. Non moi non plus, c'est déjà un petit bout de temps que je joue dessus. Un peu de la découverte là. Découverte en live. Et puis bah voilà, on va vous parler du pack Aftermath qui est vraiment pas mal. Qui dans ce pack on découvre trois nouveaux véhicules. Trois nouveaux véhicules, c'est genre Jeep, hein, deux Jeep et puis une espèce de van. Oui, on a le Humvee modifié qui s'appelle le Phoenix. En fait, le Humvee, bah, il a été renforcé manuellement par les soldats. Et un peu, ça se voit que c'est fait à la main. On a un lance-grenade qui a été rajouté, la sulfateuse qui à la base est automatique, là est manuelle. Et on a de même pour le Vodnik qui là est appelé le Barsock. Et pour le troisième véhicule, c'est le Rhino. C'est un simple van civil qui a été blindé et muni d'une sulfateuse automatique. Bah, à côté, il y a aussi la petite arbalète qui a été ajoutée. Bon, il y en a qui pourraient dire que Battlefield a recopié Black Ops 1, etc. Mais bon, c'est pas du tout le cas. Et puis bah à côté, bah cette arbalète aussi a été faite à la main avec une crosse de je sais plus quelle arme. Une crosse de M417. De câble venant d'une voiture ou je sais pas quoi. Et après, bah voilà quoi. L'arbalète est vraiment bien. Un peu moins shooté et tout, mais faut vraiment prendre la vie. Je viens de réanimer, vas-y, tu peux continuer ton speech. Viens donc. Attention, tire dessus. Il marche, c'est bon. Alors donc. Sur le côté. Arma, tu nous disais. Je disais pour l'arbalète, franchement, c'est une vraie petite arme, il faut vraiment prendre l'habitude de jouer. Pas sur ces. C'est quand même assez compliqué. Dans le sens, il faut vraiment bien viser, il faut vraiment prendre le temps. Vraiment t'es un bon bah tu fais vraiment des bons dégâts avec l'arbalète. J'ai réapparu sur T quand même. Oh. Bah, après bah les maps faut l'avouer qu'elles sont vraiment vraiment grandes. Y'a rien à dire sur ça, c'est vraiment belle. C'est vrai que moi-même je m'attendais à ce qu'elles soient plus petites quand on voyait les vidéos de présentation, mais non en fait c'est assez surprenant, elles sont plus grandes que ce que je pensais. C'est vraiment des grandes maps. Alors après bien entendu on a le mode qui est associé au pack Aftermath qui est pillard. Alors c'est simple, on réapparaît avec seulement notre arme de poing. Alors, on a l'avantage quand même de pouvoir choisir l'arme de poing, ce qui est déjà pas mal. Et par contre le fait de choisir soutien, éclaireur, assaut ou ingénieur n'a absolument aucune importance puisque on a vraiment que notre arme de poing. On n'a pas tout ce qui est trousse de soins, trousse de munitions, C4, on a que notre arme de poing. Et après bah, on peut très bien trouver les armes au sol. Alors là c'est les points de respawn des armes restent les mêmes et ça reste aléatoire dans le sens où ça peut être n'importe quelle arme. Il est sur la gauche mais je suis mort aussi. Okay. Ah, et puis la capture dans ce qui concerne pillard, après la capture des drapeaux se fait aussi vite qu'en conquête et domination. Le seul inconvénient que je dirais aussi c'est qu'il faut rester vraiment tout près des drapeaux quoi, à limite 3 mètres à tout casser. C'est vraiment du close quarter, la capture des drapeaux, c'est comme en close quarter, c'est la même vitesse. Même vitesse de capture. Mais après, le gameplay reste bien différent que close quarter, ça c'est sûr. Dans le sens où on apparaît dans le jeu, on a vraiment qu'une arme que le flingue. Donc vous pouvez prendre le flingue que vous voulez, aussi le 44 Magnum à lunettes, etc. Le choix du flingue, on a le choix. Mais après pour ce qui est des armes à trouver, bah on a vraiment pas le choix quoi. Mais il y a trois catégories de niveau d'armes, du 1 jusqu'au niveau 3, et bah niveau 3 c'est ce que ça veut dire, hein. C'est les armes les plus grosses. Donc il y a l'arbalète à lunettes, il y a la SCAR L, il y a le MTAR, il y a aussi je sais plus quoi d'autre, parce qu'on a pas beaucoup joué au pillard. DAO, Space 12, 870 MCS, il y a quand même pas mal de morts. Il y a le S, il y a des armes. Je me suis fait tuer. Ouais. Non, mais je me suis fait tuer comme une merde aussi. Et je réapparais sur eux. Un des inconvénients qu'on a pu trouver aussi au niveau des véhicules, c'est que on sait pas si c'est fait exprès, mais les véhicules se neutralisent très vite. Par exemple, le Phoenix et le Barsock, ils se neutralisent à peine arrivés à 70%.
ce qui est pas tout à fait génial. Ça veut dire qu'en gros il vous reste 70% de vie dans votre véhicule, et bah il est neutralisé. Alors que les autres véhicules de base étaient à une trentaine de pourcents par là. Bon, deux obus de char, ça les neutralise pas tout le temps. Alors que là, franchement, une grenade, c'est limite, on est neutralisé. Je trouve ça un peu abusé, de ma part. Puis bah à côté, bah voilà, quoi, un petit gameplay pour vous faire plaisir et... Puis là, le travail, je sais pas où t'es... Là, je suis en train de faire un 1 contre 1 contre un ennemi. Moi, je suis en 1 contre 1 contre un char. J'arrive, je viens de donner assistance, si j'y arrive, si j'ai le temps, je pourrais peut-être même te réanimer. Ça va être dur. Non mais de toute façon laisse tomber, c'est pas grave, j'allais. Mais non, je te l'ai jamais tombé. Ah mais de toute façon c'était pas grave, hein. C'était soit le char qui me tuait, soit l'autre mec qui me tirait dessus qui me tuait. Et... En fait, tu suicides avec le char. Voilà, c'est le mec. Et puis pour la petite anecdote, c'est pas notre première tentative parce qu'on a déjà essayé d'en faire plusieurs, mais on en a fait une où on a tellement bien réussi qu'on s'est fait kicker avant même de finir la partie. Ce qui est pas très pratique. Pas du tout, même. On en a fait une autre où la moitié de notre équipe a disparu en plein milieu, du coup on s'est retrouvé à se faire spawn killer. Ce qui pour découvrir une carte, c'est pas génial. Voilà, voilà, c'est celle on va sur D. Alors après, les cartes là elles sont assez classiques dans le sens où elles ont rien de particulier, mais on a la carte épicentre où à certains moments de la carte il y a des tremblements de terre qui peuvent intervenir. Ce qui change pas mal, c'est que on a notre écran qui se met à trembler de partout, on perd pas mal nos repères. Je crois que j'ai encore tué personne. Et on a aussi, alors je sais pas si c'est sur toutes les cartes, mais il y a certains passages qu'on peut libérer en tirant sur des portes, sur une bonbonne de gaz qui permet d'ouvrir d'autres passages. Ce qui permet justement d'attaquer des ennemis par derrière, puisqu'on va arriver dans un tunnel qui passe par le côté d'un objectif, ce qui peut être pratique quand les ennemis tiennent bien l'objectif. Ouais, c'est vraiment pratique. Bon, faut vraiment le savoir après tout ça, parce que moi-même tout à l'heure je me suis retrouvé dans une porte, à cravache il a tiré dedans, ça l'a explosé, et je me suis dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, parce que justement, je m'étais là un peu renseigné avant de commencer. Par contre, si ça t'intéresse, on a un véhicule là, histoire de montrer. On va le chercher. Il y a un véhicule ennemi aussi. Je sais, je le vois. J'ai enlevé 50% de tête. Ah non, j'ai fait que de la suppression. Merde. Il y en a un qui est sorti, quoi. Je sais, mais je sais pas où il est sorti. Je le vois. Je le vois. Ils sont plusieurs. Je fais rien du tout. Si t'arrives à me réanimer, Arma. Ouais, j'arrive. J'ai tué les deux. Bah, c'est bon, y'a un. C'est cool ça. Ouais, bah là, on voit très bien les deux véhicules différents qui sont en feu. Alors qu'ils ont déjà plus beaucoup de vie. Enfin, qu'ils ont encore beaucoup de vie plutôt. Je suis mort à quoi. T'es dans le véhicule pourtant là. Et je peux savoir comment t'es mort? Le véhicule ne cramait pas, je suis rentré dedans, je suis mort. Arma, c'est parce que t'as pas le permis, t'as été puni, c'est tout. Putain, mais il nous fait quoi là? Oui, voilà, comme vous pouvez. Allez, Arma, il y a une Jeep derrière toi si tu veux démolir. Là, vous pouvez vous rendre compte que, comme quoi, justement, les véhicules ont pas mal de problèmes. Oui, 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 monsieur, tout à fait. Ah, oui. Apparemment, on a quelqu'un qui essaye de faire le Warrior en solo. On va attendre qu'il change de place. Ou qu'il sorte aussi. Vas-y, voilà. Une petite démonstration. Attends, tu dois quand même avancer sans moi. Oh là 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 là. C'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. Attends, ils sont où? La Jeep est là. La Jeep est là, où? Gauche ou droite? À droite, derrière. J'ai du C4 sur mon machin, là, c'est normal. C'est normal, c'est bon. On va peut-être sortir. Non, mais tu m'as tué? Moi je suis pas mort. Ah non, mais moi je suis mort, c'est chill. Oui, voilà, les morts inexpliquées à l'intérieur d'un véhicule. Je n'ai aucun dégât, lui il est mort. Je pense que c'est le C4 qui t'a tué en explosant. Ouais, bah il suicide, c'est sûrement le C4 et tout ça. Apparemment, j'ai réapparu au bon moment.
Ouais, mais il en reste un qui est vivant là-haut. Ouais, je l'ai vu. Ma grenade, je la mangera pas. On va aller le chercher. Hein. Je le vois plus. Gauche, je l'ai vu. Mais... Ok, on lance les couilles. Je le vois. J'en ai eu un, mais c'est un soutien. Il me semble que c'est un éclaireur. On a vu qu'on s'y fait. Bah écoute, je sais pas trop où il est. Bon, c'est pas grave, on va sur E-Arma. Abandonne. Alors, je vais me prendre un coup de couteau, je le sens. Non, c'est bon, y'a pas. On me tire dessus, Akra. Il était bien là. Donc, je vois ça. T'inquiète, je suis là, Arma. Oh putain, il y en a un deuxième. D'où il vient celui-là par contre, celui-là. À chaque fois que tu me relèves, je crois. Ouais, mais lui, je l'ai vraiment pas vu arriver. Non, mais il est sur le côté, justement. Ouais, il a réussi à me tuer. Je l'ai vu. Fais gaffe, Arma, t'as deux ennemis derrière toi. Oui. Près de l'escalier, il y en a. Deux secondes. Sur moi. Alors, Rhino peut être puissant, mais comme on peut voir, on reste quand même très vulnérable à l'intérieur. Il y a une personne qui capture et je sais pas où c'est. Derrière moi! Je vais te réanimer, là. Enfin, si j'y arrive. Ah, ben voilà. Bon, bah voilà, les abonnés. Hein. C'était une petite vidéo de présentation du pack After Mask. C'était pas une partie bien extra, mais c'est toujours mieux que rien. Ouais, j'ai déjà fait même des scores beaucoup mieux que ça tout à l'heure. Et puis, bah voilà. Hein. On vous souhaite une bonne visualisation et. Un bon petit visionnage et voilà quoi. À la prochaine. Ça permettra d'aller chez les autres joueurs. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Ciao.